Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour parler du jailbreak. On va pas parler du jailbreak dans le sens jailbreaker son appareil pour installer des choses dessus. Non, au contraire, on va faire l'inverse. J'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça. Est-ce que le jailbreak enlève la garantie? Et comment enlever le jailbreak? Juste pour clarifier les choses, le jailbreak vous permet de personnaliser votre appareil en installant des tweaks et des thèmes. En fait, tout ce qui est absent d'iOS et que vous voulez rajouter peut être fait grâce au jailbreak, en rajoutant des thèmes et des fonctionnalités que vous n'aviez pas. Première question, est-ce que le jailbreak enlève la garantie de son appareil iOS? Eh bien non, pas du tout. En fait, le jailbreak c'est juste quelque chose d'installé sur votre téléphone. Donc si vous voulez l'enlever, vous avez juste à vous rendre sur iTunes, restaurer votre appareil et il sera comme neuf et c'est imperceptible. Jamais on verra que vous avez fait un jailbreak sur votre appareil. Donc aucun souci à ce niveau-là, votre garantie, elle sera gardée. Par rapport à la deuxième question, comment enlever le jailbreak? Et bah c'est exactement la même façon. Vous prenez votre appareil iOS que vous avez jailbreaké, moi vous voyez que j'ai Cydia dessus. Je le prends, je le branche à mon ordinateur. Là-dessus, on ouvre iTunes. Bien évidemment, avant, je vous conseille de faire une sauvegarde de votre appareil au cas où. Donc faites une sauvegarde de votre appareil iOS pour garder toutes vos données, vos applications, vos musiques, vos photos, etc. Et ensuite, vous faites restaurer. Une fois la restauration faite, je peux enlever mon câble bien évidemment. Et vous pouvez voir que je suis bien sous iOS 8.4. J'ai eu aucun problème de restauration. Et mon appareil est comme neuf. Donc le jailbreak est totalement parti. Ne vous inquiétez pas, vous avez aucun problème là-dessus. Votre appareil, c'est bah il est normal, il est vierge, il est sous iOS 8.4 normal, non jailbreaké. Donc voilà comment enlever le jailbreak de son appareil iOS, c'est vraiment super simple. Comme vous avez pu le voir, il vous suffit juste de restaurer votre appareil sur iTunes, donc n'ayez aucune crainte. Vous pouvez jailbreaker votre appareil autant de fois que vous voulez et le restaurer autant de fois que vous voulez. Vous ne perdrez pas votre garantie et vos données sont en sécurité si vous faites des sauvegardes à chaque fois. Donc allez-y, jailbreaker votre appareil si vous voulez ajouter des fonctionnalités et des thèmes sur votre appareil iOS pour pouvoir le personnaliser à votre sauce. Mais si vous en voulez plus, vous avez juste à restaurer votre appareil et hop, il sera parti, et il sera comme neuf. Voilà les amis pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'était vraiment pour clarifier les choses face à quelques questions qui m'ont beaucoup été posées. Donc non, vous ne perdrez pas votre garantie. Et comment enlever le jailbreak? Il suffit juste de restaurer. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Sur ce, portez-vous bien, et à la prochaine. Tchou.